بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أطلب منكم المزيد من تشجيعات ديالكم، لايكات لي كومونتير، بارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا، شكرا جزيلا لكم. بونجور ا توت، بونجور ا توس، بونجور ا تو لي فان دو ما شين. جيسبر كوم دابيتود كو فوز الي توجور تري 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 بيان. ما بريزونس كوم دابيتود سي بور فو بريزونتي اون نوفيل لسون دو لا لانغ فرونسي. سي تي لسون ديسيني او زيكوليي اي او زيكوليير دو لا سيزيام اني انسينومون بريمير. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Grammaire, sixième année enseignement primaire, unité didactique 1, la phrase nominale et la phrase verbale. Nous sommes dans la semaine 2, la page 18, manuel de l'élève, parcours. Exercice d'application. Ce sont des exercices pour consolider l'acquis de la phrase nominale et de la phrase verbale. Premièrement, grand 1, je m'entraîne, etc. Premièrement, je mets une croix, voilà une croix, devant la case de chaque phrase verbale. Une fois que je trouve une phrase verbale, je mets une croix devant la phrase. Ces tableaux illustrent des aspects de la civilisation arabe. Ces tableaux illustrent, c'est le verbe illustrer, des aspects de la civilisation arabe. Donc nous avons ici le verbe illustre, c'est le verbe illustrer au présent, donc voilà, c'est une phrase verbale. Quel beau pays! Alors ici on s'exclame, donc il n'y a pas de verbe, c'est une phrase exclamative, c'est une phrase nominale, donc je ne mets pas de croix. J'ai lu un livre sur la civilisation égyptienne, Hadara al-Misriya. Donc ici, il y a le verbe lire au passé composé. Donc je mets une croix devant la phrase. C'est une phrase verbale. D. Merveilleuse la civilisation andalouse. Merveilleuse la civilisation andalouse. C'est une phrase nominale. La mosquée Hassan II est. Voilà le verbe être. Donc c'est une phrase verbale. Est un bijou architectural, religieux et culturel. Donc voilà le verbe être présent, c'est une phrase verbale, donc je mets une croix. Deuxièmement, je transforme les phrases verbales suivantes en phrases nominales. La transformation d'une phrase nominale à une phrase verbale. Ces récits historiques sont intéressants. Donc voilà le verbe être présent. À la phrase nominale, je vais éliminer le verbe être. Donc je vais employer une phrase nominale, ça veut dire qu'il ne contient pas de verbe. Qu'est-ce qu'on va dire? Intéressant ces récits historiques. Voilà. Point d'exclamation. B. Cet espace est agréable. Cet espace est agréable. Voilà le verbe, c'est une phrase verbale. Qu'est-ce qu'on dit? Quel agréable espace. Quel agréable est espace. Bon, voilà la première partie. Je tourne le tableau. Je termine l'explication, c'est la muraille de Chine est gigantesque. Donc voilà le verbe, c'est une phrase verbale. Je vais la transformer en phrase nominale. Qu'est-ce qu'on va dire? Quelle gigantesque la muraille de Chine. Voilà la phrase nominale, c'est une phrase exclamative. D. Ibn Battuta est un grand explorateur de nombreux pays du monde. C'est un grand explorateur des pays du monde. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est une phrase verbale. Je vais la transformer en une phrase nominale. Qu'est-ce qu'on va dire? Ibn Battuta, un grand explorateur de nombreux pays du monde. Hein? Ibn Battuta, un grand explorateur de nombreux pays du monde.
point d'exclamation. Point d'exclamation. C'est-à-dire on s'exclame. On s'exclame de cette personne-là, de M. Ibn Battuta, qui est un grand explorateur du monde. Grand 2, je m'évalue. Je cherche, je coche les cases, hein, je coche les cases des phrases animales. Je coche les phrases, les cases des phrases nominales. Ça veut dire, une fois que je trouve une phrase nominale, je mets une croix. Je mets une croix. Alors, quelle fierté? Quelle fierté? Est-ce qu'il y a un verbe? Non. Donc, si c'est une phrase nominale, je mets une croix. Les palais, ou bien le palais de l'Alhambra est célèbre. Le palais de l'Alhambra est un célèbre monument andalou. Andalou. Donc, c'est une phrase verbale, donc je ne mets pas de croix. Extraordinaire, le musée du Louvre. Extraordinaire, le musée du Louvre. Donc, ici, c'est une phrase exclamative. Si c'est une phrase nominale, il n'y a pas de verbe, donc je mets une croix. Nous étions passionnés par les lieux que nous avons visités. Nous étions passionnés par les lieux que nous avons visités. Donc c'est une phrase verbale, donc je ne mets pas de croix. Voilà. Un événement inoubliable. Un événement inoubliable, c'est une phrase nominale, je mets une croix. Deuxièmement, je complète le tableau suivant. S'il y a une phrase nominale, je la transforme en phrase verbale. Et s'il y a une phrase verbale, je la transforme en phrase nominale. Donc, je commence par « Quel beau pays !» C'est une phrase nominale. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est un beau pays. Voilà le verbe. On l'a transformé. Cette civilisation est extraordinaire. Hein? Cette civilisation est extraordinaire. Donc, il y a un verbe. C'est une phrase verbale. Qu'est-ce qu'on dit ? Quelle civilisation extraordinaire ! Quelle civilisation extraordinaire. Splendide l'architecture du grand théâtre araba. Voilà la phrase nominale. Qu'est-ce qu'on dit à la phrase verbale? L'architecture du grand théâtre araba est splendide. Ça veut dire très belle. Hein, l'architecture. Une architecture. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. Ce sont des exercices d'application, de consolidation pour consolider l'acquis de la phrase nominale et la phrase verbale. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.